Personne n'aurait cru, alors que le 19e siècle s'achevait, que l'humanité fût observée depuis les mondes plus anciens de l'espace. Personne n'aurait pu imaginer que nous fussions examinés, telles des créatures qui pullulent et se multiplient dans une goutte d'eau étudiée au microscope par quelques chercheurs. Peu d'hommes accordaient même une pensée à cette possibilité qu'il y eût une vie sur d'autres planètes. Et pourtant, au-delà des abîmes spatiaux, des esprits incomparablement supérieurs aux nôtres considéraient la Terre avec des yeux avides. Et dressaient lentement et sûrement des plans pour la conquête de notre